Mais d'abord, ces chiffres qui interpellent. Le journal Le Figaro a publié récemment le classement des villes où explose la délinquance. Et Verdun se distingue avec une hausse de 44% des violences pour coups et blessures entre 2022 et 2023. Un chiffre qui interroge. Pourquoi une telle augmentation? Les crimes et délits ont-ils réellement explosé à Verdun? Élément de réponse avec Claude-Louis Gravel et Frédéric Madier. Cette augmentation de 44% des coups et blessures volontaires en dehors du cadre familial se vérifie à travers les chiffres du ministère de l'Intérieur. Sur Verdun, il a été constaté 100 faits de cette nature en 2022 contre 144 en 2023. Mais pour autant, cela ne signifie pas que la criminalité générale a augmenté de 44% sur Verdun. En effet, les coups et blessures volontaires en dehors du cadre familial ne sont qu'un seul type d'infraction parmi 14 indicateurs. Si l'on prend en compte tous ces indicateurs, l'augmentation globale de la criminalité sur Verdun est bien plus faible. Entre 2022 et 2023, l'augmentation, c'est plus 0,26%, soit 5 faits supplémentaires. On remarque une forte baisse des atteintes aux biens, et notamment des cambriolages, des vols. Ce qui augmente, ce sont les atteintes aux personnes et particulièrement les violences intrafamiliales. Des violences intrafamiliales qui sont aujourd'hui plus facilement dénoncées. Sur Verdun, le nombre de faits constatés pour cette infraction a augmenté de 30% en un an. Autre indicateur qui est en augmentation, le trafic de stupéfiants, présenté comme la conséquence de nombreuses actions menées par les forces de l'ordre. On a 10% d'augmentation des faits constatés, qui est la traduction de la présence sur le terrain et de la combativité des forces de l'ordre. Voilà. Les policiers et les gendarmes sortent et ils vont démonter des points de deal, ils vont aussi verbaliser des consommateurs. Donc on a cette hausse, mais qui est une hausse voulue, assumée. C'est parce qu'on est présent sur le terrain et qu'on lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants. Tous ces chiffres de la délinquance sont publics et consultables en ligne sur le site internet du service statistique du ministère de l'Intérieur.